transformei. Transformed. Merci, patriarche. Thank you, patriarch. Bien-aimé. Beloveds. Tout ce que Dieu nous a dit dans cette convention. All that God has told us in this convention. Ne peut agir sur nous que lorsque nous allons le mettre en pratique. Can only work in us when we put it into practice. Danser. Dancing. Acclamer. Applauding. Sauter. Jumping. Sentir quelque chose. Feeling something. Ne nous servira à rien si nous ne mettons pas ce que nous avons entendu enseigner en pratique. Will serve to us for nothing if we do not put in practice what we learn in this place. Amen. Car vivre les lois et les secrets des vainqueurs. Because living the laws and the secrets of greatness. De la grandeur. Of greatness. Ne s'accomplira pas dans cette salle. Will not be fulfilled in this hall. Imaginez, bien-aimé. Imagine, beloveds. Un garçon, a young man, est allé à l'université. Who goes to university? Très bonne université. A very good university. Il étudie la médecine. He studies medicine. Et il sort là-bas docteur chirurgien. He comes out of that university as a surgeon. Après avoir eu son diplôme. After having his degrees or diplomas, il est affecté dans un hôpital. He then gets a job in a hospital. C'est un chirurgien. He's a surgeon. On amène un malade. They bring a sick person. Qui souffre de l'appendicite. A patient suffering from appendicitis. On l'amène à la salle d'opération. Take him to the emergency room. Et on appelle notre jeune docteur. And they call to the young doctor. C'est toi qui vas faire l'opération. You are the one who's going to operate on this patient. Il a à ce niveau-là deux renommées. He's got two titles at this moment. Sa propre renommée, son nom. His own name. Et le nom de son université. And the name of his university. S'il échoue dans cette opération. If he fails during the surgery. Son nom. His name. Et le nom de son université. And the name of his university. Sont à jamais. Will be. Terni. Will not be forever tarnished. Tarnished. Yeah. Donc, vous comprendrez, bien-aimé. Now you understand, beloveds. L'église armée des vainqueurs. The church army of conquerors. C'est une grande université. Is a great university. C'est un grand campus. It is a great campus. Maintenant, faites valoir le nom de ce campus dehors. Now you need to make the name of this university to be worth it outside this church. Puisque si vous échouez, because if you fail, non seulement qu'on va vous pointer du doigt, not only will they point fingers at you, mais il va à l'église l'armée des vainqueurs. They will also say this one goes to the church of armies of conquerors, army of conquerors. Votre nom aussi, your name too. Donc la seule façon, so the only way, de prouver que vous avez pris part à cette convention, to prove that you, what you learned from this convention, c'est d'appliquer ce que nous avons écouté. To apply that which we've heard. Puisque la Bible nous dit, because the Bible tells us, dans l'évangile de Jean, in the Gospel of John, et c'est le Seigneur qui parle à ses disciples. It is the Lord speaking to his disciples here. Si vous savez ces choses, if you know these things, alléluia. Amen. Dites à quelqu'un si vous savez ces choses. Say to somebody if you know these things. Si vous savez ces choses, if you know these things, vous êtes heureux. You are happy. You are mais blessed. Mais à quelles conditions? But at what condition? Pourvu que vous le pratiquiez. Unless you practice it, provided you donc, practice. Donc si vous savez, so if you know these things, ce que vous avez entendu, you know what you've heard, ce que vous avez compris, you know what you've understood. Si vous ne mettez pas en pratique, if you don't put it into practice, vous ne serez jamais heureux. You will never ever be happy. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc bien-aimés, so beloved. Si vous avez suivi mon message, if you followed my message, ma première intervention, my first message, j'avais parlé des lois, I spoke about the law, de la grandeur, I spoke about the law of greatness. Dans ma deuxième intervention, in my second speech, when I preached, j'avais parlé des principes, about the principles, et je vous avais promis, and I promised you, que je vais terminer, that I would finish, par la mise en pratique, with putting it into practice. Comment
vous pouvez appliquer les lois et les secrets dans votre vie. How you can apply the laws and the secrets into your own life. Dans la pratique. In practice. Il y a quelqu'un de très important. There is someone that is very, very important. Que nous ne pouvons pas ignorer. That we cannot ignore. Il s'appelle. He's called. Le Saint-Esprit. The Holy Spirit. Alléluia. Amen. Donc bien aimé, le Saint-Esprit, ce n'est pas une affaire de prédication. So beloved, the Holy Spirit is not about preaching. Le Saint-Esprit, c'est une affaire de vie pratique. The Holy Spirit, it's about living a practical life. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit, c'est une affaire de vie pratique. It's about living practically. Le monde spirituel est réel. The spiritual realm is real. Comme le monde naturel est réel. Like the actual earthly world is real. Est-ce que vous savez que là où nous sommes maintenant? Do you know where we are right now? Il y a des voix et il y a des images. There are voices and there are images. Je suis en train de donner quelqu'un. Am I astonishing somebody? Là où nous sommes maintenant. Where we are right now. Il y a des voix. There are voices. Et il y a des images. And there are images. Comment avoir ces voix et ces images? How can you see these images and these voices? Il faut avoir un récepteur. You need to have a receptor. Alléluia. Il faut avoir quoi? What is it? A receptor. Si vous avez la radio, a receptor. If you've got a radio, vous vous connectez, you connect it there. Vous allez écouter BBC ici. You will hear BBC. Dans cette salle ici. Amen. Puisqu'il y a des voix qui circulent. Because they are